La pirogue s'est dotée d'un nouveau bar à vin qui porte le nom de Van der Stel. Une soixantaine de mocs provenant de certains des meilleurs cépages du monde y sont proposés aux amateurs. Le Van der Stel est ouvert pour le déjeuner, l'après-midi et pour le dîner, a indiqué Andrew Slom, le directeur de la pirogue. Le concept, c'est déjà offrir 60 différents vins ouverts. Il n'y a pas une carte de vin qui aura justement la facilité d'offrir 60 vins ouverts. Et on ne peut pas non plus ouvrir 60 bouteilles et attendre que le client va consommer. Donc l'utilisation justement des distributeurs permet de garder des vins à un standard respectable pendant une période allant jusqu'à 6 à 8 semaines. Et le client qui vient, qui veut un verre, ou si la dame boit du vin blanc et le mari boit, il boit du vin rouge, donc voilà, ils peuvent se permettre de prendre de différents vins. On a des soirées à thème à la pirogue qui changent tous les jours sur un cycle de 12 jours, de 2 semaines. Donc il y a une flexibilité et aussi une opportunité d'avoir un wine pairing beaucoup plus élaboré pendant cette période et avec chaque soirée à thème. Il a aussi la possibilité, ça se fait pas pour une carte spéciale. Oui. Comment devient membre un peu plus de boîte wine bar? Le wine bar, il faut juste acheter une carte et mettre du crédit dessus. C'est aussi simple que ça. C'est comme une carte prépayée, toi. Exactement, c'est une carte prépayée, tout juste, qui vous permet à partir de là d'avoir accès à Van der Stel. Et aussi, bien sûr, comme j'expliquais tout à l'heure, on a une panoplie de charcuteries, plateaux de fromage, tapas, qui vont extrêmement bien avec les vins qu'il y a dans la sélection. Comment est-ce que tu as fait un wine bar à la pirogue? L'idée, on a bien sûr commencé la rénovation de la pirogue l'année dernière. Et on s'est dit, on a introduit pas mal de nouveaux concepts de restaurants mauriciens, on a revu nos concepts de bar, et puis on s'est dit, il manque. Entre Andrew Slom, le directeur général, et moi-même, on discute beaucoup de notre opération, on se consulte énormément, et un jour, vraiment, il a eu l'idée d'ouvrir ou d'introduire un bar à vin avec un certain nombre de vins au verre, et puis on a trouvé après pas mal de travail que 60 vins étaient quand même raisonnables, et aussi pour commencer, c'est déjà bien 60 vins au verre. Et puis voilà, à partir de là, on a fait des recherches, on a travaillé en étroite collaboration avec la compagnie Oxenham, qui eux travaillent justement avec la compagnie qui fabrique les distributeurs de vin en Hollande. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on est arrivé à concrétiser le projet, quoi. Le wine bar ouvre de quelle heure à quelle heure? Le wine bar, il ouvre à partir du déjeuner, donc les clients peuvent venir à partir de midi et demi. Mais pour, comme je disais, un plateau de charcuterie, un plateau de fromage, il y a pas mal de belles choses à découvrir. Et c'est ouvert pendant toute la journée, l'après-midi, en fin d'après-midi, et en soirée bien sûr, parce que le Van der Stel est la source principale de vin pour le restaurant principal. Donc tous nos clients qui achètent leur carte, c'est pareil, ils vont se servir au buffet et puis ils passent au Van der Stel récupérer le vin. Fonctionnant avec une carte prépayée, les machines à vin donnent accès à 60 bouteilles, comme explique Pravesh. Alors c'est ici que vous allez mettre la carte. Okay. Dès que vous mettrez la carte, ici ça va s'indiquer. C'est ce que vous voulez choisir pour boire. Vous pouvez déguster en le 10 ml. Sinon, vous pouvez prendre le 100 ml. Et vous avez le 150 ml. Chacun a le prix différent. Vous avez un prix différent pour tous les verres. Et ça commence de là avec le vin plus corsé, le vin blanc et le vin rouge. Aussi du fromage et de la charcuterie.